chercher la faille chez l'autre, c'est essayer de trouver là où on peut le toucher et là où il n'est pas d'accord. Attention, pas comme dans l'esprit moderne. Ça, bzzz, ça marche pas. Bah non, parce que ça fait bzzz et vous êtes mort justement une seconde après. Ah, ça fait mal là. Ouais. Alors toi, c'est sur le plexus, parce ouais, que t'as un nom romain. Et là, tu m'as fait la fémorale. Ouais, c'est une fée. La fémorale, c'est celle que je déteste, moi, personnellement. Vous voyez comme il abaisse son centre de gravité. On se perd, on regarde, et on meurt très vite. Voilà. Ah, toujours la même chose, hein. Oui. C'est incroyable. Sauf que lui, il meurt tout de suite. Ouais. Moi, je meurs demain dans d'atroces souffrances. Vous mourrez tout de suite, hein, rappelez-vous. Je confirme. Ah, en plein cœur. Cette fois-ci, je perdais la tête. On est morts tous les deux. Hein. Bon, ben, je pense qu'on peut applaudir Alan McBrain. Hein. On peut applaudir notre Seigneur Aster de Loriga. Je te remercie. Monsieur, messire. Le cinéma, c'est ça. Le cinéma, ce sont des épées qui s'entrechoquent. Les épées qui s'entrechoquent, le public adore ça, puisque ça fait beaucoup de bruit. Quoi? Arrête. Quel est le problème? Tu es grand. Oui. Je suis grand. Et alors? Et alors, pourquoi il tape là, là et là? Ben pour que le spectateur voit bien. Mais c'est débile. Bien sûr, mais c'est du spectacle. Bon, on peut faire beaucoup mieux, hein. On peut aussi se rapprocher. Et c'est débile parce que tu fais toujours ça. Oui, on tape toujours sur l'épée, mais ça fait plaisir. C'est fini, j'ai fini. On peut aussi varier les plaisirs. Ça s'appelle la chorégraphie. Que va-t-il me faire? Saint-Georges. Mon Dieu. Je crois qu'il s'en est pris une là quand même. Hein. Mais il y a de la vengeance dans l'air. Oh, par acétamol. La même chose. Et variante. Et là, je crache mes dents, vous voyez. Si jamais vous voulez vraiment tuer quelqu'un, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que si quelqu'un veut, par exemple, vous attaquer et vous couper en deux en tout petits morceaux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Tiens, regardez, c'est magnifique. Ouais. J'ai mis mon épée en protection, je peux vous regarder partout, c'est très beau, c'est photogénique. Ah ouais, c'est vrai, moi. Et toi aussi, je te vois bien là. Ah ouais. Et ça ne sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Bah parce que c'est ton épée. Bah oui. Et si j'ai mis mon épée, pourquoi est-ce qu'il t'a pris dessus? Il est pas idiot quand même. Je vous rappelle, hein, c'est pas l'épée que vous voulez tuer, c'est le type qui est derrière. Parce que l'épée, elle vous a rien fait, hein, c'est une amie. Hein. Sans compter qu'en plus, s'il veut la récupérer, il a pas intérêt à l'abîmer. Ouais. Alors, qu'est-ce que je devrais faire pour me protéger s'il m'attaque comme ça? Je vais faire plutôt ça. C'est mieux, hein. Mais c'est beaucoup plus rapide, hein. On est bien d'accord. Hein. Et vous avez entendu Gling? Eh ben non. Ben non, je vois pas pourquoi ça ferait Gling. Alors, il y a aussi une autre solution très intéressante. On va changer un petit peu d'angle, hein. C'est bien pour qu'il voit bien tout. Tu es prêt? Prêt. Là, ça fait mal, là. Et oui, c'est fait pour. Et voyez, là, j'attrape le pommeau. Et grâce au pommeau, je peux tordre le bras. Et les épées n'ont toujours pas fait Gling. Ouais, ils n'ont pas fait Gling. Parce que s'ils se trompent... Moi, je continue le geste. Ah. Ou... Bah. On commence par voir, ça fait un drôle de bruit. Voir, ouais. Bah. C'est le chevalier qui meurt bellement. Ouais. Oui, bah écoutez, je suis désolé, hein, c'est pas Shakespeare ici. Hein. Ouais. Autre solution. En admettant qu'il m'attaque toujours, je dévie son arme. Pouf. Regardez là, c'est important là. Là. Je lui marche sur le pied. Si je lui marche sur le pied, déjà, il peut pas s'en aller. Hein. Oui, il est toujours là. Hein. C'est bien de laisser l'adversaire à portée. Et surtout, on dévie l'arme de l'autre, s'il faut la toucher, plat contre plat. Ça s'appelle l'effet levier. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup beaucoup de solutions, mais la meilleure, celle que je préfère, c'est celle-là. Tiens! Je ne suis plus là. Ça s'appelle l'esquive. Et le mieux dans l'esquive, c'est de frapper au moment où on esquive. Et là, t'imagines, je suis en pleine digestion. Ah bah non, c'est dégoûtant, tu vas leur mettre partout.
Franchement, hein. Ouais, de Berck, voilà, exactement. De Berck, de Berck.